Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle version Vivien le souffleur de mots. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon appareil auditif, enfin, de l'appareil auditif en général. Allô, et si un soir l'appareil... Bonjour, vous allez être en relation avec un conseiller. En effet, vous avez remarqué, je peux entendre au téléphone, mais il faut certaines conditions. Sur mon appareil auditif, il y a un tout petit micro, tout petit. Et il faut vraiment qu'il puisse entrer en contact avec l'écouteur. Pas trop petit non plus. Voilà. Hein. Ça, c'est parfait. Parce que vous avez un énorme écouteur. Et qui peut englober largement l'appareil. Allô. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, mon téléphone, il y a un tout petit écouteur. Et là... Allô, oui. Là, c'est comme passer dans un tunnel. Hein. Ça capte ou ça capte pas. Hein. Bon, bref. Je vais vous montrer de manière plus précise mon appareil. Alors. Donc, vous voyez, sur cet appareil, vous avez plusieurs petits trucs là. Et le micro? Ça se trouve à ce niveau-là, vous voyez, hein, c'est tout petit, c'est à l'arrière de l'appareil. Ensuite, vous avez ce petit bouton-là. C'est-à-dire que ça, c'est pour programmer, pour faire des programmations. Oui, non, c'est pas la programmation TF1 ou FM, Chérie FM, Nostalgie, non. Voilà, ça c'est programmation, bon, progression normale. Ou sinon, programmation pour avoir la position T, c'est-à-dire que je peux avoir accès à toutes les boucles magnétiques. Ça, je vous en parlerai de manière plus précise tout à l'heure. Et enfin, ça, c'est pour régler le volume. Généralement, je peux le baisser quand c'est vraiment trop fort ou dans les environnements très bruyants. Ou sinon, je le coupe carrément. Ensuite, vous avez l'empreinte. Alors, cela ne me fait pas du tout mal. Non. Ça, c'est surtout pour pouvoir bien englober l'intérieur de mon appareil et le pavillon à l'interne pour bien capter le son. Bien le diffuser. Voilà à peu près, évidemment, le compartiment pile. Voilà. Et enfin, là, j'ai un sabot. C'est parce que c'est pour mettre, un récepteur pour le micro HF. Bon, vous avez remarqué que je ne sais pas si ma parole est moins précise, mais là, je ne m'entends pas du tout. Je ne m'entends que par les vibrations de la voix. Donc, je vais le remettre parce que c'est quand même un peu bizarre. Je préfère parler en m'entendant avec l'appareil. Bon, je pense que vous pouvez comprendre. Hein. C'est comme si... quelqu'un avait des fortes lunettes qui parlait sans... Ah, alors si ça sifflait... je me rends compte que ça sifflait. Est-ce que ça sifflait tout... Avant, je sais pas. Voilà. Bon, bref. Mais Vivien, tu es toujours sourd? Eh oui, pour le pire et pour le meilleur. Enfin, pour toujours. Ah, bien sûr, ce n'est pas une maladie. Hein. J'en souffre pas, je suis pas malade, j'ai pas des symptômes. Tout va bien. Donc, pour revenir du fait que la surdité n'est pas une maladie, hein, normalement, on ne doit pas parler de guérir la surdité. On peut essayer de la soulager à travers, d'améliorer l'audition à travers l'appareil auditif, l'implant cochléaire. Mais aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner la personne. Tant au niveau humain, tant au niveau social, scolaire, et surtout au niveau psychologique. Pour moi, c'est très important. Pour moi, le milieu médical ne doit pas être primaire, ne doit pas être primordial. On ne peut pas réparer à tout prix. Surtout pour les personnes qui sont sourdes très tôt, qui sont sourdes de naissance, il n'y a pas de manque. Là, on ne ressent pas de manque. Il y a juste à essayer de pouvoir communiquer, être en lien avec ceux qui entendent. Évidemment, je peux comprendre qu'on peut vouloir soulager, récupérer l'audition pour ceux qui sont devenus sourds. Ça, c'est compréhensible, de vouloir mettre les moyens pour. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est au niveau de l'aménagement, tant au niveau des études et tant au niveau professionnel, au niveau social, loisir, c'est de prendre en compte aussi tout ce qui existe en termes d'aide technique, en termes d'aménagement. Des aides techniques, des boucles magnétiques. Alors, c'est un système qui transmet des sons directement dans l'appareil auditif. Alors cela permet de diminuer fortement les bruits ambiants. On trouve très facilement ce système dans les lieux qui accueillent du public,
hein, genre les cinémas, la poste, des musées. Alors quand je parlais d'aide technique, c'est pas forcément soit le micro HF, position T, boucle magnétique. C'est aussi en fait permettre de pouvoir isoler phoniquement une salle, soit par des isolants phoniques, hein, et ça existe, ça vous pouvez voir sur le lien là. Ou sinon, faire en sorte que la pièce ne résonne pas, pour qu'on puisse mieux capter les sons. Voilà. L'acoustique de la pièce est très importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à poser des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous auriez aimé que j'aborde. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout aussi à cliquer sur le petit pouce bleu, à liker, puis à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.